C'est tellement plus amusant d'essayer de retrouver son chemin parmi une centaine de tableaux tous complètement identiques. Sérieusement, regardez à quoi ressemble cette forêt d'après un plan trouvé sur le net. Ce qui est génial avec cette carte, c'est que quand tu traces l'itinéraire, tu te rends compte à quel point tu serais jamais arrivé sans. Si dans la plupart des jeux, même dans les labyrinthes, les chemins vont généralement dans la direction générale de gauche à droite, ici, il faut aller chercher les explosifs au sud-est, après revenir à l'ouest, puis au nord, puis à l'ouest de nouveau, passer derrière notre point de départ, puis à l'est, puis au sud, puis au nord de nouveau. Nom d'une pipe! C'est à peine si à cette époque j'arrive à faire les labyrinthes au dos des paquets de Chocapic, alors comment est-ce que vous voulez que j'arrive à retrouver mon chemin dans un trou comme ça?